Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE 20. Aujourd'hui, c'est le deuxième match normalement qui aura lieu ce samedi. Alors, je sais pas du tout si je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire mettre le samedi et le dimanche, on va dire un week-end complet. Voilà, je sais pas du tout si je vais faire ça ou si je vais faire toutes les vidéos le dimanche. On verra bien comment ça va se passer. Mais là, on est sur le match tag team par équipe en mode tornado, comme je vous le dis assez souvent. Bah, les matchs tornado sont tellement plus vivants, je trouve. Vous voyez mon combat là qui oppose Shayna Baszler face à Charlotte Flair et Asuka qui s'occupe de Nia Jax, ou plutôt l'inverse. Je trouve ça un peu mieux. Et bah, pour mon pronostic, hein, vous avez sans doute compris que Shayna et Nia vont gagner. Je sens une grosse discorde entre Charlotte et Asuka qui va amener tout simplement à une défaite de leur part. Elles vont perdre le titre pour amener tout ça à une victoire, enfin une victoire, non, à une rivalité, à un combat à WrestleMania, Charlotte Flair, Asuka. La revanche hein, qui a pu se passer à un moment, qu'il ne faut pas oublier que c'est Charlotte qui a pété la streak d'Asuka. Donc pourquoi pas, après tout, ça serait bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, vous, dans votre côté, de me dire qui d'après vous va remporter ce match et ce titre par équipe. Et puis bah, on verra bien. Allez, on se concentre un tout petit peu. Oh là, chouchou Asuka, bien joué. Enfin non, je dis bien joué, mais non. Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Asuka. Bah, bien sûr. Aïe, le petit coup de genou. Il est genou. Attention. Bah, voilà. Merci beaucoup. Ah, mais Nia, par contre, aujourd'hui, je veux dire, tu ne sers pas à grand-chose. Tu ne m'aides pas. Attention, descente du coude, bien sûr, ça fonctionne. Charlotte. Ah, j'aurais peut-être pas dû changer. Parce que dans le jeu, dès que vous ciblez quelqu'un à l'ordinateur, bah, tout de suite, l'ordinateur va se dire qu'on va attaquer. Du coup, bah, va nous attaquer avant qu'on attaque. Et c'est bien joué de sa part. Hop là. Viens ici. Toi, tu vas aller sur les cordes. Pour l'instant, Charlotte, on peut le dire, elle a pris méga cher. Est-ce que ça va? Et je vous le dis, hein, vous me connaissez. On l'a bien joué. On est en mode légendaire. Mais voilà, à force de jouer au jeu, forcément, on arrive à retenir les bons timings et tout. Moi, comme je dis, vivement une prochaine difficulté dans le jeu, genre un truc qu'ils appelleraient WWE, une difficulté tellement au-dessus, je peux dire impossible, mais faudrait être vraiment vraiment très très chaud pour ça. Ça serait très intéressant. Attention, le spécial ni vu ni connu. Asuka, je suis désolé pour toi, ce match là va finir plus vite que prévu, je pense, ou quoique, parce que Asuka face à Charlotte Flair, si je suis pas là pour l'aider, je pense que Nia va un petit peu galérer. Moi, je m'occupe de Asuka tranquillement. Voilà. Des petites patates, des kicks, des points. Tranquillement. Oh là, bien joué. Retournement de situation. Elle m'a... Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça sans me casser les os? Oui. Nia. Non mais, lâche, lâche. Franchement, à un moment, j'ai cru qu'elle allait... Attention! Aïe, ok. Mais salut! Ah oui, c'est son retour. À un moment, j'ai vraiment cru qu'elle allait. Comment dire? Bah, abandonner. Voilà. Taper, je disqualifie, tout ça. Nia. Oh, bien joué, c'est beau ça. Attention, à prendre l'élan. Ah, j'essaie de le contrer, malheureusement. Pas assez rapide. Et non, simplement zéro. L'arbitre n'a même pas eu le temps de faire son décompte. Boum. Ça s'est fait. Oh bah, tu sais ce qui va se passer, hein. Tu le sais. Non, c'est pas ce que j'avais prévu. C'était pas prévu dans le script. Mais on prend le finisher aussi. Attention. Oh là là. Oh, quelle descente. Ah, malheureusement, bien trop compliqué à faire taper Asuka. Alors, c'est qui la patronne? On s'essuie un petit peu les pieds. Voilà. Asuka le paillasson. Tranquillement. Ah bah là, c'est bien. Nia a repris son titre. Oh, ça fait mal ça. Et on peut voir qu'elle se rattrape petit à petit. Hein. Viens là. Voilà, ça c'est parfait. Ah mais, toi, viens là. Et boum, l'écrasement. C'est qui la patronne? Et ouais, numéro uno, c'est moi. Est-ce que j'ai besoin de Nia? Même en mode handicap match, je l'aurais fait. Tiens, l'aurais fait. Ouais. Oh, le point qu'elle a mis. Tu sens qu'elle a chargé et tout. Une grosse frappe. Non, non, non. Nia.
J'aurais peut-être besoin de toi parce que là, elle me fait mal. Aïe, 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 aïe. Oh là, la prise de l'ours. Ouais. Oh, attention, attention. J'ai pas regardé de mon côté. Tout va bien. Heureusement qu'on avait de l'endurance. Je vais me mettre en mode tank. Et là, on va avoir le spécial. Je suis désolé, ma petite Charlotte. Mais il y a un moment, il faut savoir dire stop. Viens là. Attention, on va dépasser de prise. Tellement technique. Et Naya qui fait son soulevé tranquillement. Elle a pas le time. Elle a pas le time. Ah, ok. Bah non, non. Ah, ok. D'accord, d'accord. Bon. Tiens. Boum. Et on finit par le finisher. Bah voilà. Pendant qu'elle fait ça. Et voilà. On l'a gagné. Et moi, Asuka, j'étais en train de l'endormir. Victoire de Shayna Baszler, excusez-moi, et Nia Jax face à Charlotte et Asuka qui remportent à nouveau le titre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.